Cher Yann de 2019, je viens du passé pour te dire que ta dernière vidéo a atteint plus de 46 000 pouces bleus. Et elle était en tendance sur YouTube. Bon, t'emballe pas, ça va pas arriver tout le temps. Et si les gens veulent continuer à te soutenir, effectivement, un pouce bleu, ça prend 0,5 secondes. Tu avais quand même 34 ans pour ouvrir cette putain d'enveloppe. Pauvre Christine... Non. Pauvre Christ... Pro Christ... Pauvre Christophe... Pauvre... PS. Tu devrais enlever ta casquette. Et la poser sur la poignée, ça fera un joli décor. Yann. De 1955. Alors pour tous ceux qui sont choqués de me voir sans casquette, donc oui, j'ai des cheveux, oui, j'ai une magnifique mèche blanche, et oui, c'est naturel. Voilà. Allez, on attaque, je fais un petit peu de place parce que là, il faut que je vous montre l'une des paires qui rentre, je pense, dans mon top 3 all-time de ma collection. Ah ouais. Ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo sur les chaussures du futur. Et là, je viens de m'acheter, je viens de recevoir le modèle qui peut faire la différence. Comme l'a dit Yann de 1955, ce n'est pas les Nike Air Mag, donc vous emballez pas, mais on est à peu près sur ce qui se rapproche le plus. Et donc, sans plus attendre, je vous présente déjà boîte. Vous voyez, c'est marqué sur la boîte Nike Adapt Earl BB. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les Nike Adapt Earl BB, c'est quelque chose qui n'est pas facile à prononcer, mais le Earl est très important. Earl est tout simplement un acronyme qui veut dire Electric Adaptable Reaction Lacing. En gros, ça veut dire que c'est un système de lassage automatique. Allez, on est parti sur l'ouverture. Attention les gars, on est dans la subjectivité. Donc que tu aimes, tant mieux, ou que tu n'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis en surkiff sur cette paire. Attends, attends, je vais faire un truc encore plus stylé. Ouais, en dessous, c'est un plateau de fromage. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Retour vers le futur, c'est dans Retour vers le futur 2, un film de Robert Zemeckis paru en 1989, que l'on voit apparaître pour la toute première fois les Nike Air Mag, un modèle designé par Tinker Hatfield. Oh, notre dieu à tous. Bon, il faut savoir que dans le film, c'était un accessoiriste qui tirait sur les chaussures pour faire le lassage. Le lassage automatique n'existait pas. Mais justement, cette idée a mûri dans l'esprit fertile de Tinker. Et enfin, avec les progrès de la technologie, presque 30 ans après, on peut enfin avoir des chaussures qui se lassent toutes seules. J'ai plusieurs paires de chaussures qui se lassent électroniquement. Faudrait que j'en fasse une vidéo à part. Mais là, je voulais vraiment mettre l'accent sur cette paire. Vous savez que pour beaucoup de collectionneurs, la Nike Air Mag est le modèle ultime de la collection. Et là, justement, on retrouve non seulement la technologie Earl et en plus le colorway, c'est-à-dire le coloris qui respecte à la perfection la Nike Air Mag, et c'est pour ça que j'en suis totalement amoureux. Je vous le dis tout de suite, cette paire n'est pas encore disponible en Europe, mais elle devrait arriver sur le Nike Europe mi-juin, fin juin. Mais Yann, comment tu les as eus alors? Je suis tout simplement allé sur un site de resell et j'ai eu un petit bug informatique qui m'a permis de ne pas payer les frais d'expédition ni les frais de vérification. En gros, j'ai économisé presque 150 euros. Vous voulez qu'on parle prix? On va parler prix. Ce modèle sort à 350 euros. Bien sûr que c'est cher, mais c'est ma passion. J'en fais collection. Chacun dépense son argent comme il le veut. Et comment ça marche? Ça marche de deux façons différentes. Soit automatiquement, la première fois que tu mets ton pied dedans, la chaussure va extrêmement te serrer, ensuite elle va se desserrer et s'adapter parfaitement à ton pied. Ou avec les deux boutons que tu vois ici, tu peux aussi régler la pression de lassage. Ou si tu as envie de te la péter comme en 2019, je te montre avec mon smartphone. Bon, il y a un petit fil là, c'est parce que je suis en train d'enregistrer ma voix en même temps. Regarde l'application. L pour left shoe. R pour right shoe. Et bien tout simplement, je vais monter le curseur tout en haut pour les serrer à fond. Alors il y en a qui disent que le système électrique de lassage c'est un peu pénible, c'est au niveau du bruit. Moi je trouve pas que ce soit un bruit choquant. Je vais vous montrer ça. Attention.
Franchement, ça va. Non, sinon le vrai bruit, c'est ça. Ça va. Alors les gens critiquent le bruit, mais en même temps, c'est pas fou. C'est-à-dire, tu les mets une fois, ça fait le bruit, tu les enlèves une fois, ça fait le bruit. Bon, sauf si tu t'amuses au début, forcément, comme un gueudin. Je continue avec les petits plus de l'application. Donc regardez bien au niveau de la semelle, les deux petits boutons, je vais leur changer de couleur. Et grâce à ce petit bouton, vous savez où en est la charge de vos chaussures. Par contre, la lumière ne se met en fonction que lorsque vous activez ou désactivez le système. Sinon, quand vous marchez, il n'y a pas de lumière, on n'est pas sur des chaussures de gamin. Justement Yannou, comment tu fais pour recharger les chaussures? Eh bien c'est très simple, parce que fourni avec les chaussures, dans la boîte, vous avez cette plaque pour recharger vos chaussures. Vous les mettez dessus. Et là, elles sont tout simplement en train de recharger. Ah oui, d'accord, mais l'autonomie, le temps de charge, combien de temps que c'est? Le temps de charge complet, c'est-à-dire de passer de 0 à 100% de la batterie rechargée, ça prend 2 heures. Et les chiffres de Nike nous disent que si vous utilisez les chaussures de façon normale, vous avez une utilisation pendant à peu près 14 jours. Ensuite, vous allez peut-être me demander, est-ce qu'elles sont confortables? Je vous réponds oui. Et là, vous allez me dire, ouais, mais on voit bien que tu les as jamais mises. Je vais faire, ok, mais j'ai eu un autre modèle avant, c'est pour ça que je sais. Alors, je vous cache pas que ce modèle-là, si j'avais su que celui-ci allait sortir, je ne l'aurais pas acheté. Mais bien sûr, je les garde parce que c'est les premières Adapt bébés que j'ai pu avoir. Et pourquoi elles sont confortables? Tout simplement parce qu'à la base, c'est un modèle performance. Ce sont des chaussures qui sont faites pour jouer au basket. Vous avez peut-être déjà vu les pubs pour les Adapt bébés. Et tout simplement, l'ambassadeur de la marque, c'est Jason Tatum, le joueur des Boston Celtics. Salut. Celui qui a inventé le battement de cœur. Tatum. 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 Alors j'essaye encore de trouver des questions pièges que vous pourriez me poser. Ces chaussures-là sont connectées par Bluetooth. Ok d'accord Yann, mais si on n'a plus de batterie de téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus enlever tes chaussures? Et bien sûr que si. Si t'avais écouté la vidéo, ces deux boutons-là te servent à lasser et délasser la chaussure. Ok, mais s'il n'y a plus de batterie sur les chaussures? Et bah tu regardes sur ton application et tu vois l'état de la batterie de tes chaussures. Ou sinon, il y aura la couleur rouge qui s'affichera là pour te dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Ok, mais alors si t'as choisi la couleur rouge pour tes boutons et que la couleur rouge est là pour te dire qu'il n'y a plus de batterie, comment tu fais la différence? Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce, je ferai d'autres vidéos sur le système automatique parce que j'ai 3 autres paires à vous montrer et puis il y a toute une histoire aussi à savoir sur ces paires-là. Merci à Tinker Hatfield pour cette technologie, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Vous avez vu, je ne suis pas très souvent là, mais je n'ai pas abandonné YouTube. Allez, ciao tout le monde, bye.